une série hein, de peinture à l'huile. Je travaille sur la forêt. Et je me suis mis une contrainte. C'est toujours le même format. Un format panoramique. Et ben voilà. J'essaye d'épurer les formes de la forêt, de l'arbre. Bon, ça sort de mon imagination. Parce que j'ai aucun modèle aussi, je ne travaille pas avec un modèle bien précis. C'est comme ça, c'est à l'instinct, c'est les couleurs, j'aime bien jouer avec la vibration, le ressenti, les formes, voilà, le contraste aussi. C'est plutôt un travail sur la féerie. Une féerie des formes et des couleurs, et il y a une histoire dans ce tableau. Il y a des gens qui se tiennent la main, qui ont l'air d'être heureux, d'autres, voilà, ils sont dans le feu de joie, quoi. Là, c'est plutôt plus cotonneux. Il y a aussi les formes des nuages qui se confondent avec le feuillage. Il y a toujours des troncs très stables, bien ancrés, des racines bien ancrées dans le sol pour donner une force, parce que j'aime bien. Puis contour rouge pour donner un côté plutôt organique à l'arbre. Et un ciel un peu tourmenté, on va dire, je suis influencée par Van Gogh. C'est vrai qu'on dit, oh tiens, c'est un ciel à la Van Gogh, t'as fait. On dit, j'ai pas réfléchi, hein, sur le coup. Puis on dit, oui, c'est vrai, il y a un peu un côté Van Gogh, Van Goghien, là-dedans. Bon, ben, celui-là, j'en ai parlé. Celui-là, c'est plutôt, j'ai appelé Seigneur de l'hiver, parce que. Je trouve que les arbres, ils sont capables de résister à tout. Et le froid, quelquefois, avec le froid, c'est un squelette. Ils ont plus les feuilles, ils n'ont plus rien, ils sont nus. Mais en même temps, j'ai gardé l'aura. Il y a l'aura du feuillage qui est restée. Et on voit leur squelette. Et j'ai carrément mis celui-là en premier plan, vraiment blanc, comme un squelette blanc de humain, quoi. Donc voilà. Bon, celui-là, c'est l'incendie. Alors là, c'est on va dire sombre et en même temps joyeux pour moi. Et c'est plus intérieur. C'était vraiment quelque chose. Parce que si je vais pas trop parler de ce tableau. C'est trop personnel. Là, pour l'instant, j'ai pas envie. Voilà, il y a celui-là aussi que j'aime aussi. C'est le premier par rapport à celui-là, dans l'ordre. Hein, celui-là, je l'ai fait en deuxième. Et celui-là, je l'ai fait avant. Donc, et celui-là, bon, il y a aussi la forme. Mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup plus les racines évasées. Et ça se perd un peu plus, il y a peut-être plus d'équilibre. Alors ça donne pas la même chose par rapport à l'autre. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Les couleurs sont bien. Votre atelier, c'est ouvert pour les visiteurs tous les jours? Non, j'ai laissé un petit mot, comme ça, si jamais il y a des gens qui ont envie d'aller voir mon travail, je leur dis, je leur donne rendez-vous, venez voir. Il y en a qui viennent, hein, mais généralement, c'est pas ceux de Ciré qui viennent, pas ceux de mon village. Je sais pas, ils ont peut-être peur. Donc, je vois souvent des gens qui viennent de Blamont, qui passaient, puis qui reviennent de voir la famille. Et ouais, ils sont intéressés. Donc, c'est bien, avec rendez-vous. Oui, ils aiment bien voir. Donc, quand il y a de la lumière aussi, ils toquent. Et puis, j'y fais entrer, je leur offre un petit thé. Pour les détendre. Puis voilà. Merci. C'est ce que je peux dire. Merci. Pour l'instant.